pillages. Et d'aventures. Oui. De tous les gentilshommes en quête d'or sillonnant les Antilles, il est sans contredit l'un des plus brillants. Il fut un temps où je pensais être le fléau le plus meurtrier de ces mers. Mais cet homme est un compère redoutable qui se nourrit des désordres et des conflits. Je l'ai vu nettoyer le pont d'un galion espagnol comme si ce n'était rien. Combattant tel un diable à l'apparence humaine. Et c'est un malin. Il connaît chaque rocher et crevasse de ces îles comme sa poche. Si vous cherchez fortune et aventure, le capitaine Edward Kenway est bel et bien votre homme. Mais surtout, ne vous mêlez pas de ses affaires. Il y a tant de mystères autour de lui que même moi je n'ose parler. Jamais le temps de regarder cette intro qui est plutôt pas mal en plus. J'avais oublié qu'elle était aussi. Non, franchement, elle est vraiment stylée hein, cette intro. Ah merde. Et merde, j'ai oublié ça. Ce n'est rien. Ce n'est rien, ce n'est pas grave. Ça va pas nous empêcher de faire notre petite session piraterie du jour. S'inscrire plus tard. Me fais pas perdre mon temps, je t'en prie. Voilà. Ah, 31%. Allez, vas-y, 31%. Et voilà. Merde. Faudrait que je me soigne un peu avant de continuer ces foutues vidéos. Voilà, petite session d'une heure, on fera tête du fable. On reprendra tête fable 2 après. Ah voilà. Et puis bien sûr, on est toujours. On est toujours à Kingston, bien entendu. Oui, j'ai mon contrat d'assassin qui est à faire. Encore, je crois que j'ai fait toutes les missions ici. J'ai toujours mon contrat d'assassin. Et je sais pas si la cargaison peut être récupérée malgré tout. Il reste bien des trucs à faire ici, mais c'est un peu. Oh, on va quand même pas s'emmerder. Allez, on va se faire notre contrat d'assassin et on avisera. Après, je crois qu'on n'aura plus rien à faire dans le temps. La saut de catin. Oh. Voilà. Allez. On va remplir notre contrat. On va nous mettre un peu de beurre dans les épinards avant le départ. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire après? Ah oui, tiens, pourquoi pas une chasse au trésor? J'ai souvenir. Il y a une carte réellement pas loin. Alors...
Ah oui, ça va pas être de la tarte, mais on va pouvoir y arriver. Il va falloir endormir ces mecs pour être sûr de passer. Stop. Voilà, par contre, ça dure pas 1000 ans non plus, alors dépêchons-nous. Grimpe. Ça. No escape. I'm coming to catch you. Et voilà, ni vu ni connu. Bon, passons aux choses sérieuses. Voyons ça. Que je peux l'assassiner d'ici. Ah, je peux l'assassiner d'ici, c'est parfait. Et voilà, 1000 $. Bon, ok. Ok, ça va se bastonner. Ça va se bastonner dans les fougères. Et voilà le travail. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Il nous reste un petit contre. Ça, qu'est-ce que c'est? Entrepôt vide. Il me semble que je l'ai fait. Entrepôt vide, je sais plus si je l'ai fait. Il me semble que je l'avais perdu celui-là, ce qui est dommage. Peut-être un autre petit contrat histoire de se mettre du beurre dans les épinards, comme on dit. Après tout, on a beaucoup de choses à acheter, tout ce qui est amélioration de bateau, etc. J'accepte, mais... Ah, bah c'est la porte d'à côté.
Le voici. Je vais peut-être pouvoir le choper au vol, un truc comme ça. Il se repointera par ici. Allez, viens là, viens me voir. Supervise pas là-bas, y'a rien à superviser. Viens voir par ici, je crois que tes hommes ont fait une connerie. Et hop, 1000$ chopé au vol. Si c'est pas beau ça, plus personne m'a vu. Ouais, je peux même lui piquer son portefeuille, si c'est pas beau ça. Voilà, alors... Bon, on en fait encore un pour la forme et on se tire. Viens, viens là, espion de mes fesses. C'est moi qui ai fait de... C'est moi qui ai fait de l'escalade au collège. C'est faux, c'est... C'est un sosie. Tout de même. Oh, attendez, monsieur. Ok, on va venir se battre. Hein. Quoi? Il n'a rien, elle peut être utile cette tenue anti anti-balles, mais j'ai vu à quoi ressemble et. Elle est pas assez stylée à mon goût. Enfin, si elle est stylée, mais. Même très stylée, mais il manque la capuche et ça, c'est. J'ai l'impression qu'il manque la capuche dans. Cette tenue par balle. Bon, toi. Il était bien équipé en plus, ce petit salon. Alors, il me semble qu'on l'a déjà fait, ce gars-là. Bon, attendez, dans le doute, on va le faire. Après tout, ça rapporte de l'argent, mais... Non, on l'a pas fait, non. Oh, je vous en prie, madame.
coincé dans la jungle. Oui, et sans l'autorisation du gouverneur. Oh, non, non. Bien son visage. C'est celui d'un homme. Putain. Je pense pas que je pourrais l'avoir. Ah si, je peux. Très bien. Pas lui, crétin. Ouf, on s'est bien rattrapé. Fuite. Réussi à m'avoir malgré que j'étais en ligne droite. Alors voyons ça. Eh, on dirait bien que j'ai terminé les contrats d'assassin d'ici. Alors pourquoi pas terminer celle-là? Mais qu'est-ce qu'il me veut ce mec au jeu? Elle est où cette putain de volière? Ah ben voilà, c'est crebleu. Le juge. Ok, donc c'est un juge apparemment. Et ça me force à aller de l'autre côté, ma parole. Même plus ce que je fais. Non. Par où je pourrais passer? Après tout, je me suis engagé, autant le faire. Hein. Par contre, si je foire, je foire. Hein. On ferait pas tous ces kilomètres. Ok, en bourre. On trace, hein, on trace la Kingston. Oh, puis qui sait, il y a peut-être quelque chose d'intéressant de l'autre côté de ces montagnes. Alors. On est sur la bonne voie.
demande si j'aurais pas dû y aller en bateau. Simplement. Bon, je pense qu'on peut y aller en bateau, hein. Y a pas de raison. Pas naviguer jusqu'à là-bas, peinard. Bon. J'ai compris. Ah putain. Après celle-ci, on se barre. Hein. Ouais, genre, on peut vraiment pas être obligé d'y aller à la nage. Hein. Et tout ça pour 1000$. Ça va au moins le mérite d'être mérité. Hein. Il y a même un canoë ici. Ça va me retéléporter dans le bateau hélico. Et on quitte la Jamaïque, hein, putain de merde. On a plein le cul. Ok, on va quand même profiter pour mettre à jour les lieux, comme ça on va moins galérer. Voilà. Ça ne serait pas une plantation, ce qui est devant moi, ou un fort. Alors, qu'avons-nous ici? Intéressant. Manuscrit, j'irai voir ça. Manuscrit. Le fragment d'animus, je m'en bats joyeusement les couilles. Jamais su à quoi ça servait et je m'en fous. Ça, au
du gâteau. J'ai dit, ça va être du gâteau. Et voilà le travail. Damnation, wrong, shit, wrong. Ah oui, je l'ai volé, mais je l'ai tué avant, alors pousse-toi les. You can come with me or hold the pole. Your choice. Juge avec plus de discernement, mon ami. Je doute qu'on ait quelques... On ait de quoi se faire du pognon par là, ça m'a juste l'air d'être un vieux fort classique. Et merde, je voulais juste me tirer. Bon, allons récupérer ça. Aïe, excusez-moi. Excusez-moi. Permettez, je vais recharger quelque peu. C'est moi. Alors qui veut se la donner encore? J'avais jamais vu ce mouvement, hein. C'était classe. Bon, si l'un de vous pourrait me rendre quelques barles. Ah voilà. Un truc pour rentrer chez moi. Bon, j'ai compris. Là, je suis pas prêt de revenir ici pour finir quoi que ce soit. Hein. Alors j'ai... Ah voici mon pognon, j'ai 2000... Ok, c'est beaucoup d'argent.
demeurez tranquille, capitaine. Eh ben on part pas maintenant, je vais dormir. Je viens de nager un kilomètre tout de même. Bon, allez. Maintenant que nous sommes dans notre quartier, nous allons nous faire. Nous allons nous faire un petit. Alors qu'est-ce qu'on a à vendre? Cargaison de sucre. On doit avoir quelques petits trucs. On a 500$ de sucre à vendre, je vends. Le tissu, je garde pour le moment, ça sert. 300$ de rhum. Le reste, ça sert aux améliorations. Alors je garde. Commerce. Amélioration, le jack d'eau. Apparence du jack d'eau, oui, on va se faire un petit plaisir. Alors on va un peu s'accorder une petite. Folie. Ah c'est dit, coûte ton bonbon hein. Peut-être pas tant que ça. Ah finalement j'hésite. Allez, ça va avoir le mérite d'être classe. Non ça va. Bah ça va. Je pensais que ça m'aurait plus vidé les couilles que ça. Hein. Voilà, des voiles noires comme ça, ça va. Ça fait beaucoup plus classe, hein, ça va apporter la peur dans le cœur de tous ces. Toutes ces poules mouillées d'anglais, d'espagnol et de français. Vous êtes de quel pays, vous, capitaine? Je ne sais plus vraiment. Bon, allez. Allez, nanana, fabrication, inventaire, carte au trésor, c'est ça que je voulais étudier. Il me semble qu'il y en avait une pas très loin. Examiner. Voile grise. Plan voile grise. C'est pour avoir un plan voile grise ? Pas très intéressant. Moi je vais rester sur mes figures de proue de Queen Anne. Et on trouve un truc intéressant dans ce trésor ou alors c'est. Ici on est censé trouver quoi? C'est pas précisé, du pognon? Ici aussi, c'est pas précisé. Du pognon, peut-être? Attendez. Alors, 606, 835. C'est parti. Alors, là, on est dans le 630. A priori, 835... Ah, mais c'est, ma foi... ...606-835. Et il y a un emplacement rapide. Il y a un emplacement rapide, c'est pas loin de la grande mission où on est censé aller. Ma foi, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça va nous faire une petite carte au trésor. Pour la figure de proue, je m'en bats clairement les couilles. Peut-être quand je voudrais mieux plus customiser le bateau, mais... Capitaine est à la barre. Navigons en mer.
Qu'est-ce que c'est comme bateau? Qu'est-ce que c'est comme bestiole? Baleine à bosse. Bon, on va pas perdre notre temps avec ça. Bon, allez. Je me souviens de quelle île c'est de toute façon. Tu la vois? Une baleine à bosse! Alors, ça fait classe ou pas ces voiles noires? Du menu frottin. She's lovely on the foreyard, she's lovely down below, boys. Lovely cause she loves me, that's all I want to know. Oh, Captain Baker, how do you store your cargo? Some I stow forward and some I stow aft. 40 fathoms or more. Ça ira pour l'instant, oui. C'est que ces voiles noires et puis cette cape, quoi, cette cape, ça m'inspirait trop. Fallait bien que je le ferme, maman. Ah, des collègues. Des collègues, on sale posture. Alors, cette partie du navire.
Mais non, de rien. Il est vulnérable à cet endroit. Paré à perdre. Le navire va finir en triple, capitaine. Mais t'inquiète pas, mon petit animalé. Je disais, ça s'est passé comme une lettre à la poste. Écartez la grand voile. Là-haut, élarguez la grand voile. On va se l'aborder comme un seul homme. Alors, bande d'amateurs, on était à 4 dessus. Je vais vous dire. L'amateurisme. Attendez, redressez un peu les gars. Oh. Je crois qu'il se l'est pris en plein fouet. Hein. Allez, venez, venez. Ouh, dans l'œil. Les bruitages seront complètement foirés. Le jeu s'attendait pas. Aller détruire le pavillon ennemi. Yo! Allez, saute, crétin. Non. Non. Il y a le connard qui fait ça. C'est lui. Putain. Non! 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 Mais pourquoi je n'ai pas grimpé, nom de Dieu? Fais choix de remonter là-haut. Putain, ça devait être un moment classe toi hein, quand même. Regardez-moi ce plan magnifique. On va la réparer hein. Je crois que ça se discute même pas. Rome, sucre, 5 membres d'équipage. C'est tout ce qu'il avait. La grand voile au vent! À bon vent! Allez! Down west, don't ship that ever did say!
Alors. Le capitaine se sale la couenne. Et voir un peu. Est-il magnifique? Où il y a une vache. Il doit se sentir bien seul. Je crois que dans les Caraïbes, cette vache est une légende. La seule du département. Voilà, maintenant c'est un peu mieux ce qu'on a ici. Une nouvelle carte au trésor. De quoi réparer un contrat d'assassin. Voilà qui peut être intéressant. On a quelques petits trucs à ramasser sur cette petite île. Que j'appelle une mort atypique. Ça, c'est tellement à faire. Malgré tout, charmant petit coin. Hein. Qu'avons-nous là? Qui sont ces gens? Officier local, il doit servir à diminuer mon indice d'écoute, mais bon, ça pourra se faire ailleurs. Un contrat d'assassin. Si c'est directement sur l'île, ça peut être intéressant. Sinon, on ira se le faire une autre fois. Bon, peut-être même qu'il est plus cher que les autres. Non, mais... Il se trouve loin. Tortuga. Ici c'est quoi au juste? Contrat d'assassin. Bon, on va aller le remplir et ça sera tout pour aujourd'hui, je pense. Tant pis pour la chasse au trésor, hein, on fera ça plus tard. Oh, je peux quand même ramasser ce petit coffre, attendez. Quelqu'un chante, non? On a trouvé 3 balles et dire que j'allais nager comme un imbécile.
la vitesse. Là-haut, c'est fermé, à vos voiles. Ça c'est peu tentant. À tribord, du butin à remonter, ici. Ils font beaucoup moins noir avec cet éclairage. Putain, je les touche pas, putain de vague. Là j'ai peut-être fait une connerie, j'ai locké les deux. Je vais tryhard les deux plutôt. Ah, on a évité de justesse. Putain, ils nous ont enchaîné, c'était. Ah, ça se tentait, mine de rien. Alors. Wow. On va faire notre boulot. Les bouteilles à la mer, c'est intéressant, ça contient une petite histoire, mais bon. On va pas faire durer la vidéo pour ça. Celui-ci a de la bonne marchandise. De rien. Rien à foutre. Mais non, je savais qu'on allait le harponner. Allez.
Après tout, on n'a pas vraiment abîmé grand chose. Mais... voilà, petite piraterie, ça bouffe pas de pain. Alors maintenant, essayons d'aller faire ce contrat d'assassin à la con. Putain de merde, c'est un monstre. Fasse le tour, pas être vu par ce connard. Et là, à la limite, ça gère quand même. Pas du tout. Un navire isolé, capitaine. Mais refuse. Je pense que le danger est écarté. Serrez les manettes. Allez, targuez. Ok, ma cible est sur cette île. Connard. J'ai une lettre de marque, mais d'un autre genre. On ne se battra pas pour un pays ou pour un roi, mais pour un nombre secret de l'homme qui fait mieux que une marque. Ok,
Amenez-vous. Putain de merde. Alors, on va libérer les mecs. Mec, tu le bordes. $1000 quand même. Tu l'as pas vu venir celle-là. Sortio.
ce monstre nous capturer.